démarrer l'enregistrement, commencer le streaming. Allez, aujourd'hui, petit dimanche, on va continuer un petit peu Dave the Diver, que j'ai commencé déjà il y a un petit moment. À la vôtre, hein, je fais la petite soupe, ce qui ne fait pas très chaud. D'ailleurs, je vais fermer la fenêtre. Et donc aujourd'hui, un petit coup de Dave the Diver. Alors je sais plus où j'en suis, je crois que c'est chapitre 3. Un truc comme ça, ou chapitre 4, je ne sais plus. Chapitre 3, une requête du peuple marin. Alors je suis l'après-midi. Alors, qu'est-ce que je devais faire? J'ai pas beaucoup de sous, j'ai 400. Alors, la confiance du village du peuple marin. Gagner la confiance du peuple marin, pourquoi je dois aller faire des actions là-bas. Attraper des clions. Ouais, je sais pas ce que c'est. Et plat de corail, nanana, obtenir du corail tubulaire. Bon, ça, je crois que c'est pour le peuple. On a un événement aujourd'hui, c'est l'événement jour J des méduses. Je crois que j'en ai déjà pas mal. Je vais vérifier ce que j'ai dans, je ne sais plus comment on fait, gestion. On va aller voir dans gestion. Si ça marche, ouais, impeccable. Je crois que des méduses. Alors là, ça j'en ai deux. Là j'en ai 8. Là j'en ai 8. Et là j'en ai pas. Donc il faudrait qu'on chope des méduses. On va se concentrer sur les méduses pour histoire de faire des thunes. De toute façon, j'ai pas d'autres sous. Donc, allez, on va aller chercher de la méduse et prendre le max de trucs. Je sais pas jusqu'où on va descendre. On va voir ça. Ce sera la surprise. J'adore ce petit jeu. Il est vraiment trop beau. Ok, des méduses, je ne sais plus trop où il y en a. Alors on a les gants, on peut attraper des oursins aussi, je sais pas si j'ai fait des trucs aux oursins. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du lait. Ah non, c'est du sel, pas du lait. J'ai pas mis le truc pour accélérer, ça c'est dommage. Dans les artefacts, je sais plus. Quel gel, quel type d'oxygène on prend. Les coquillages bleus, en fait, on n'a pas besoin pour l'instant. Bon, les oursins, c'est pas très bon, on va en prendre. Ça permettra de faire des trucs. Il faut que je trouve de la méduse. Je sais pas où il y a de la méduse. Allez, encore de l'oxygène, on est bien. On est bien en oxy. Il me faudrait de la méduse. Ah, alors déjà, s'il y a des munitions, il doit y avoir un truc à tuer costaud. Mais ça, on s'en fiche. Ah, une raie. Je n'ai jamais attrapé une raie. Que j'en chope une raie. Yes, nouveau. Jambe de raie, pasta, du dudu. Pastinag. C'est le pastinag. Ok. Bon. J'aurais pu faire autrement. Tiens, une étoile. Ouais, il m'en faut encore 5. Mais on a dit qu'on va se concentrer. Il nous faut de la méduse. Mmh.
Ah, c'est quoi encore ce son? Oui, c'est le son d'un bébé baleine à bosse. Je cherche dans les environs, le bébé baleine ne devrait pas être très loin. Ah! Ouais, on entend, ça a l'air de venir par là. Ah, il est coincé. Ces pierres devront enlever. Hop, on va le virer. Et là, on fait comme ça. Je sais plus. Ah oui. Merde. Yes, papa. Allez, on va aider le petit baleineau. Aidons le baleineau. Ok. Elles ont toutes été enlevées. Allons à l'intérieur. Trouvez le baleine. Oh, le bébé baleine. Une fois entré, un événement se déroulera et se terminera par le retour du bateau. Ah. C'est annulé. Ben on remontera. On remontera faire ça alors. Mais j'ai dit qu'il me fallait des trucs quand même, parce que. Ça va, toi. On va prendre de la bidoche, enfin du poisson. Et je voudrais des méduses. Il n'y a pas de méduses de ce côté. Ça m'aurait bien arrangé. Ah, et j'ai pas une bonne arme par contre, j'ai pas regardé. C'est dommage parce que là il y a le gros requin normalement, il y a le requin tigre par là, si je ne m'abuse. Ah non, c'est celui-là. Wow, jeune homme! J'ai pas de bonne arme, donc on va se refaire comme ça va durer 30 ans. Et je me fais piquer. Non, voilà. Le cigare. Allez, allez, allez! Ouais! Bon, au moins on aura deux requins-ci. Le requin-ci a long nez. On va en profiter, on va reprendre un peu de. D'oxy. Il me faudrait une autre arme là parce que. Oh, je m'en fous de poisson, je suis du truc filet là. C'est pas terrible. C'est quoi déjà cette pierre? Non, du plomb. On va en prendre un peu, on va prendre 3 merdouilles là. Mais c'est pas ce que je voulais. Des mines, on s'en fiche. Bon. C'est pas top pour l'instant. C'est pas top du tout. Doudoudoudoum. Pas du tout sur l'objectif qu'on se donne. Ouais, je sais que t'es là, baleineau, mais je me souviendrai que t'es tout à gauche. Il faudra que je revienne. Là, je crois qu'on va tomber sur le Brookings. Il y aura un requin par là. Non. Ah, encore un comme ça. Ouais, non, bien sûr. Et c'est lourd. On est déjà à 37,8 kg, mais il me faut de la méduse. Je veux de la méduse. Tiens, ça, par contre, je prends. Ouais, j'en ai qu'une en plus. Mais je veux de la méduse, je veux de la méduse. Non, toi tu m'embêtes. Aïe. On passe aux profondeurs du trou bleu. Les profondeurs du trou bleu. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est ça que je dois attraper? Ouais. Faut que je trouve le corail tubulaire. C'est ça le corail? C'est corail plume. Ça, faut que j'en attrape. C'est trop mignon, ça. Un clione. J'en ai 2 sur 5, il m'en faut 5. Ok. Là, je pense qu'il y a la lampe. Il faut la lampe à UV. Ok. À la place de. Non, on va faire C. On va en consommer un. Et toc, là on est pas mal. Je sais plus du tout comment on fait pour utiliser la lampe. C'est le truc du milieu. Ouais.
bon sens, c'est mieux. On va descendre. Bon, va falloir pas être trop gourmand quand même. Eh, hey, lampe. Ah, j'en ai plus. Vite, remonte la lampe. Vite. Et voilà, je me suis fait avoir. Je suis pas très doué. Alors, là, il y a encore un truc qu'il faut attraper. Parfait. J'ai deux coraux tubulaires. Ah, lui, le poisson à grande bouche, là, on va le laisser. Ça, je peux pas les attraper encore, je crois pas. Non. Pour l'instant, on ne peut pas. On ne peut pas. Bon, faut combien encore? Ah, ça y est, c'est bon. Le lys, non, bah c'est bon, j'ai plus besoin d'en prendre. Donc, on va arrêter. Je suis pas tombé sur une seule méduse. On va descendre voir. Non, celle-là, c'est celle qui explose. On va les prendre. Juste se barrer. Donc on se barre. On se barre. Oh, t'es joli, toi. T'es un gros vilain. Ah, bien loupé. Allez, je t'ai déjà enlevé combien, là? 74, 72. Ouch! Ah, il m'a empoisonné! Ah, là, ça aurait pu être clair. C'est un poisson de rang combien ça? Ah, un rang 6 quand même. 5 kilos par contre. Boah, j'ai pris 10 kilos d'un coup. Là, il y a de l'oxygène, on va prendre de l'oxygène. Et. Qu'est-ce qu'il y a? Un ingrédient? Un ingrédient. Bon bah je pense qu'on va aller sauver le baleineau. On va abandonner si on trouve pas de méduse là. Ça c'est pas un truc à attraper. Un Nautilus Pompilus. C'est un peu drôle comme nom. Une pelle. Je sais pas à quoi sert la pelle. Ah, là il y a un truc à prendre. Ah, j'ai pas essayé ça. Oh, yes papa, j'ai trouvé comment on a les araignées, c'est avec la peine. Bien ouais. Oh, un snipe. Oh, ça c'est bienvenu, parce que si jamais il y a un boss avec le baleineau, on est bien là. Là on est bien. On va remonter. On va aller faire la baleine. Ah. On va passer là avant. Je sais pas si c'est un bon choix. J'ai bien peur que ce soit peut-être une mauvaise idée. On verra, je sais plus où ça nous emmène là. Je me souviens pas du terrain par cœur. Là on a de l'oxy. Là on s'en fiche. Là on peut remonter mais c'est pas le but. Ah oui, là c'est quand on descend vers le village. Donc pour l'instant on n'a pas besoin d'y aller. Des bastos, mais on s'est pas servi de notre truc. Ah, voilà de la méduse. Parfait. Je crois qu'il faut les monter 3 fois pour les avoir. Ouais. Là, il y a un méchant. Hop, 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 hop. J'ai fait de la merde. J'ai fait grave de la merde. Hop. Il est pas gentil, lui. Je le loupe bien. Mais je suis con, j'ai le snipe. Comment on fait déjà pour changer? Ah, le con. Voilà. Et pour le coup, j'ai loupé là. Voilà. Boum. 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 Bon, on va arrêter là parce qu'après on va être trop lourd. On va regarder, mais à mon avis c'est pas mieux que le snipe. Non.
Alors par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on est trop lourd. Si jamais on doit battre un boss, ça va être compliqué. C'est pas grave. On va se débrouiller. On a eu quand même quelques méduses, on va remonter, je pense. Je sais pas si on peut remonter par là. Je suis à 80 kilos quand même. Beaucoup, beaucoup trop lourd. J'espère qu'on peut remonter, que c'est pas une boucle. Ouais, ça sent la boucle ça. Non, on va remonter par l'autre. En plus, j'ai plus d'oxygène d'avance. Je suis à 150 et j'avance comme un escargot. Je pourrais virer des trucs, mais je sais pas si c'est judicieux. C'est pas grave, on va être en mode gros Dave pour aller sauver le baleineau. Bah c'est peut-être l'araignée aussi qui était lourde, j'ai pas fait gaffe. Je crois qu'il y a de l'oxy par là, non? Ah, il y a un truc. Faites que ce soit de l'oxygène. Et non, mais on va prendre quand même. Ça va nous permettre d'avancer un poil plus vite parce que là. Et il y a de l'oxy, on est bon. On a repris de l'oxygène et là, il y a quoi? C'est une bouteille d'oxy, je change. Ouais, je change. À la place du scotter. Hop, on a pris la bouteille d'oxy à la place du scotter, comme ça au moins. On peut remonter peinard jusqu'au baleineau. Cassez-vous, cassez-vous. Allez hop, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Bah, ça va pas dégager assez vite. On grimpe par où? Je ne sais plus. On peut pas monter par là. Dommage. Là, là on est bon. Ah ouais, on va mettre 30 millions d'années. Ouais, j'ai que 3 balles de sniper. Je sais pas si c'est 3 ou 5 qu'on a au max. Je crois que c'est 5, j'aurais dû prendre des pouvoirs. Ah, je t'aurais bien attrapé, mais je peux pas. J'ai trop de trucs. Allons, allons. Surtout, prends ton temps, petit Dave. Enfin, gros Dave. T'es un gros Dave. Waouh, ça m'aurait bien arrangé en fait. Bah, je sais pas, je crois que j'ai plus de. Je sais pas si j'ai encore des trucs à passer. Parce que si je prends. Si j'ai pas la lampe. Alors lui, faut pas qu'il me voie parce que sinon il va m'attraper. J'aurais bien pris le truc pour aller nager plus vite, mais. Si je dois repasser un truc avec des. Je sais plus s'il y a des lampes. Enfin des algues rouges là. À passer. Non, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Tu ne sais pas qui je suis, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Et j'avais raison. Il y a encore des algues rouges pour faire demi-tour. Le petit Nautilus, ça sert à rien. Je peux pas le prendre. Je peux plus rien prendre du tout. On est blindé, on est blindé. On est super blindé. Non, c'était pas parti. J'ai un doute, je sais plus. C'est pas par là. Là, c'est par là qu'on est allé tout à l'heure. Ah, je sais plus. Non, c'est pas par là du tout. Ouah, je sais plus par où on remonte.
Est-ce qu'on peut remonter par là? Non. Ah, je me suis bourré. Bon, ça va pas. Bon, à cette vitesse-là, on est mal. Va-t-on aller sauver le baleineau? Bon, ça va, j'ai encore de l'oxygène, mais... J'aurais dû prendre le truc d'accélérateur, parce que là, c'est lent. Allez, go. On va y arriver. On va y arriver. En fait, il faudrait que je me dessine un plan. Je me souviens pas de la caverne complète. Du trou bleu. Moi. Peut-être suffit de monter là. Nine. Ah mais j'étais persuadé d'être arrivé par là tout à l'heure quand il y avait le truc, j'ai même dit lui il faut qu'on l'évite, on était passé au sol. Pas mieux. Ça sert à rien que je le bute parce que... Mais c'est sûr qu'on est arrivé par là. Hein. Je sais pas ce que j'ai glandé, mais... Parce que là, j'ai pas l'impression que je peux remonter par là. Mais non, je peux pas remonter, c'est... Ah, si, là. Non. Oui, non, non, oui, non, non, non. Non, punaise, mais pardon, grimpe. Là non plus. Bon, bah si, en fait, j'ai pas le choix. Comment perdre un quart d'heure? Juste, tiens. Tac. J'aimerais bien t'attraper, toi, mais... Qu'est-ce que je pourrais virer? J'ai des trucs pas importants, là. Ah, ça fait 5 l'araignée, quand même. Le plomb, je m'en fiche un peu, mais bon. Le grand barracuda, tiens, on peut peut-être le virer, lui. Ouais, ça l'a plu, bah, je suis plein. Mais... On a viré le barrac. On a viré le barracuda. Barracuda. Faudra que je remette des trucs aussi. Là, il y a une espèce d'animal mort énorme. Enfin, un énorme squelette. Il va me voir dans sa vie. On fait chier là. Je me perds. Mais c'est pas là quand même. Hein. Ah, 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 non. Alors, rebelote dans l'autre sens. Bon, au moins, j'aurais pris un crap plutôt qu'un barracuda. Je sais pas si ça fait gagner plus de tuyaux. Ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes qu'on va être sous la flotte. Ça va, il est résistant. C'est Dave. Mon gros Dave. Bon, faut qu'on trouve une sortie pour aller voir au baleineau. En fait, tout bêtement, c'était là. Je me suis juste emmerdé comme un... Je sais pas. Oui, non, non, non. Si, on peut monter. On peut monter. Bon. On va y arriver. On va quitter les profondeurs. Non, pas encore. On n'est pas venu par là. Du tout. Ah, faut prendre une photo. On va prendre une photo.
Alors avec le plancton, je crois que le plancton il apparaît par là. On va l'attendre. Alors, yes, papa. Comment ça, non? Annuler, recommencer. Échec. Là, c'est bon, là. Yes, papa, j'ai les deux. Ok. Bon, on n'est pas venu pour rien. C'est déjà le bon côté. Mais. Non, on n'est pas coincé, on peut passer là. Pas du tout où je suis. Ah. Non. Ah là là, mais c'est incroyable. Je ne sais pas sortir. C'est la miata. C'est. Bah là, tout bêtement. Non. Mais c'est pas possible. Non, non, et non. Bon, moi, on va passer par là. Allez, poussez-vous, poussez-vous. Voilà, gros Dave. Vite, vite, de la lampe, de la lampe, de la lampe, de la lampe. Je crois que j'ai enfin trouvé. C'est là. Allez, je dois aller sauver le baleineau. Le bébé baleine. I need to sauver lui. Ah, pour le coup, mon logo est complètement directement. Ah, je suis lourd. Je suis lourd. Peut-être que je bouge ma cam d'ailleurs. Alors, on verra après. On verra après pour bouger la cam. Parce que c'est vrai que vous voyez pas les armes que j'utilise. Bon, c'est pas grave. On changera après. Vous pouvez pas voir que j'ai un super sniper. Un super sniper. Ouais, bah lui, on va l'éviter parce qu'on est très gros. Il est beaucoup trop lourd. 80 kilos au lieu de 63. Je sais pas comment il peut porter 80 kilos. Mais... On revoit les petits dessins là sur le côté du cri de la baleine. Et ça y est, on l'entend. On va arriver, petit baleineau. Rodave va venir t'aider. Même si je sens que ça va être compliqué, mais. Faut surtout ne pas mourir. Oui, baleino. Je t'entends. Où est Dux? Oui, j'arrive. Tu es au-dessus. Tu es juste au-dessus. Ouais, voilà la grotte. Allez, go. Go sauver le baleino. Go sauvons le baleino. Une fois entré, un événement se déroulera et se terminera par le retour du. Enfin, au bateau. Donc, ouais, vendu. C'est parti. J'aurais peut-être dû m'occuper. Ouais, on va se mettre le snipe, dans le doute. Ah, je vais en profiter. Alors, attendez. Pop, 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 cap cut. Bah. C'est ça. Non, c'est pas ça, mais c'est pas grave. On va faire ça. Hop. Et on va vous mettre. On va me mettre là. Voilà. Très bien. Salut. Je suis là-haut. Allez, go. Continuons. Alors, que va-t-il arriver? Oh, il est là, le petit beau. Il est beau. Il semble effrayé. Dois-je aller le réconforter? Ouais.
J'en ai vu des bizarres, mais apaiser le baleineau. Le bébé baleine. On va aller lui faire un câlin. Oh, c'est mignon. Oh, le papouille. Mon petit bonhomme. Oh, il est moyennement pas content. Je pense qu'il est encore effrayé. Là, je le caresse encore un peu. Allez, oui, vas-y. Fais-lui les papouillettes. Mon petit pépère. Qui est bien mignon. Tiens, un doigt dans les yeux. Un doigt à la bouche. Tac, tac. Te câline un peu les côtés. Ah, ah. T'as le smile. Il a le smile. On est sauvé. Je pense qu'il est moins effrayé maintenant. Continuons à le caresser. Mais ouais. Ça va, je suis pas caresseur de baleineaux professionnel. Moi, je vais pas passer ma life à le caresser. Voilà, un petit peu partout, un petit peu là. Voilà, tout content. Peu cher, il fait les petits cœurs et tout. Encore, tiens, câlin, 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 doigt dans les yeux, doigt dans les yeux, câlin, 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 doigt dans les yeux, doigt dans les yeux. Ah, il m'aime, il a aimé les doigts dans les yeux. Il semble avoir baissé sa garde. Si nous allons dans une zone plus lumineuse, la mer devrait arriver, n'est-ce pas? Je dois être prudent en le ramenant à la surface. Ok, ok, on a sauvé le baleineau. Ah non, pas encore. Waouh! Il va falloir être prudent, c'est-à-dire qu'en plus, il va falloir autant le protéger. 85 mètres, on n'a pas d'oxy. Et on a vraiment sa vitesse de... Ok. Des vilains barracudas. Je dois m'en débarrasser. Ok, mec, t'inquiète, regarde. Vas-y, passe dans la ligne, mon pote. Vas-y, 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 vas-y. Pouah ! Vas-y, viens, baleineau. Viens voir, viens voir. Pouah ! Eh ouais, deux bastos égale. Pouf ! Fin des barracudas. Et je peux même pas vous prendre, les mecs. Ouais, ça mange le plancton, ça, en plus. Les grosses baleines, là, ça mange pas du barracuda. On peut monter là, direct, ou pas? Ça m'arrangerait. Si on pouvait limiter à fond les allers-retours. Oh là 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 là. Bon. Je sais pas, est-ce que le truc filet... Ah non, je l'ai plus. Est-ce qu'on peut faire un carton et en aligner plusieurs? Ouais, j'ai eu que chi. En fait, faudrait... Bah ouais, parce que j'ai pas beaucoup de balles, non. Ah, j'en ai eu deux. Hep, 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 les copinous, là. Oh, ils sont virulents. Et j'ai plus de balles. Alors là, ça va être emmerdant. Faut que je me les fasse... avec mon harpon. Eh, faut que je regarde ma life aussi. Eh, je vais être en fait bien. Non, mais je vais pas me faire tuer par une rascasse. Eh, elle est sérieuse la truc là. Je peux pas. Oh, oh là 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 là, il me faut de la life et il me faut des bastos. Ah non, si je meurs à cause des rascasses, je suis dégueu. Je ne peux pas, je suis sur le point de sauver un baleineau. Et je mets 30 ans, il me faut absolument l'oxy. Oh, alléluia. Déjà, on a l'oxy et il y a des bastos. On est sauvé. Mais, je veux bien rester à proximité, copain, mais... Ah non, 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 non. Tu peux pas me faire le plan, là. Mais, je suis à proximité, copain. Oh, c'est quoi cette blague pourrie? Bon bah faut que je me les fasse au snipe. Et j'ai 84. C'est la merde. C'est grave la merde. On va pas se mentir. Il y en a combien encore comme ça? Ils sont sérieux? Faudra que je les ai par deux parce que sinon. Erreur, erreur de ma part.
Erreur de jugement, erreur de jugement. Comment ça se fait que j'ai réussi une espèce d'esquive là? Ah, j'ai plus de balles. Punaise, je suis dans la merde. Non, 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 non. Il en reste une. Bon, allez. Attends, toi. Parce que j'ai que 50, là. On n'est pas encore sauvé. Il reste 60 mètres, j'ai que 50. Ouais, je sais, manque d'air. Mais écoute, si le baleineau m'avait suivi... Je vais pas mourir comme ça, me dites pas ça. Ah attends, s'il me suit, je vais aller rechercher. Celui du bas, c'est ma seule solution. Allez, 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 allez. Oh, je galère, hein, ton gros Dave là, c'est l'enfer. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 40. Ça va le faire, mais... 39, c'est laborieux, quoi. C'était grave laborieux cette histoire. Bon, on peut respirer un peu plus. Je sais pas comment j'ai réussi une esquive tout à l'heure en faisant un clic droit. Il va falloir que je regarde ça, comment j'ai géré ça. Mon petit baleineau, on met 30 ans. Allez. On va mettre une minute à remonter. On tape 1 mètre par seconde. Bon, le sniper, c'est pas mal. Le seul truc, c'est que on a que 3 bastos, quoi. Oh là 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 là. Ce qu'on disait, il y a que 3 bastos. Un requin, corail. Si je parviens pas à vaincre le requin, le bébé baleine ne me suivra pas. Ok, tu compris. Passe ta tête. Boum. Boum. Allez. On l'a déglingué le requin, on pourra pas prendre. Ah, il y a de l'oxygène au-dessus là. En dessous, pas. C'est pas grave. On a déglingué le requin. Il a fait 2 bastos. Allez, on arrive à un endroit plus lumineux. Allez, je sens que tu vas retrouver ta maman. Ça va être parfait. Ouf! C'était dangereux. C'est un peu plus sûr ici. Attends un peu ici et maman devrait arriver. Oh oh. Ça pue grave. Des requins, que dois-je faire? Ben... Faudrait que la maman elle vienne avec les fatbags. Ouais, alléluia, elle les fait couper. Wouah, grosse maman, t'as sur de ouf. Ouais. Bien joué, la grosse maman. Oh là là, regarde, je t'ai ramené ton bébé. Tu vas me lâcher un artefact. I hope so. Please, 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 un artefact. Alors, grosse maman, t'es contente, t'as ton bébé? T'es costaud quand même. Heureusement que t'es gentil, hein. T'es pas pleine dedans. T'as pas lâché un cadeau? C'est l'amour d'une mère pour sa progéniture. Je suppose que tous les animaux sont pareils. Je pense que je devrais envoyer un message à ma mère plus tard. D'accord. Allez, remontage sur le bateau. Petit bilan. On n'a pas eu exactement tout ce qu'on voulait, mais... Ah, oh là là, Ellie. Allô, Ellie. Je vois, je suis heureuse que tu me l'aies ramené à sa mère. Ça n'a pas été facile de le faire sortir. Il était facilement effrayé. Peut-être qu'il ne t'aimait pas. C'est tout. Elle est pas gentille. Hein. En tout cas, ne passe pas tout ton temps à chasser. Essaie d'être plus utile. Ouais, ça va. Oh, c'est joli derrière, on voit. Oh, il y a le baleineau qui vient dire bonjour. Et derrière, il y a des feux d'artifice. Oh, bah. Tu vois qu'il m'aime bien. Oh,
il est venu me dire au revoir. Il est chou. Comment on peut l'appeler? Ouh là là. Wow. Il a la voix, c'est marrant. Ouais, le CFN du feu d'artifice. Elle envoie du lourd. Ouais. Ok. Poséidon récompense. Ah. Trouver le VV baleine, c'est prêt. Ah, sniper rouge de 34 minutes sous la flotte. Bon, on a pas mal de trucs. Ok. Oh, tu as pris quelque chose en photo, je peux voir. Ah bah oui, ça. Un régalec géant. J'ai entendu dire que ce poisson était considéré comme un dieu dans l'Antiquité. Ok. Il est vraiment énorme. Incroyable. Je ferai un bon usage de ta photo. Je suis sûr que les lecteurs vont adorer. Un peu d'or, c'est pas ouf. Tu trouveras plein d'autres points photo, alors je te demanderai sans doute de l'aide à nouveau. Ok. Bon, on a fait un petit signe, nanana, tout le monde est content. Terminez votre journée et préparez. Ouais, on va aller. J'ai pas envie du tout d'aller comment. Pêcher de nuit. On va regarder là, on a quoi? Ah, on a ça. 20 points de recherche. Ok. C'est tout. Bon. Clear. Close. And now, ladies and gentlemen. Sushi. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'est pas passé voir... On va passer voir les poissons. Je sais plus si c'était... fallait que j'attende ou pas. Parce que j'avais eu un nouveau truc. Dinanananana. Ah, faut que j'aille. C'est le lendemain. Bon, ça va, c'est le lendemain. Allez, on va aller s'occuper des sushis. En sachant que donc c'est les trucs de la méduse, la teuf de la méduse. Donc on va faire un max de plat méduse. Ah, bah justement, tiens, le même mec qui vient. Il attend un truc, lui. Que veux-tu? Quoi, le peuple marin? Il est difficile de croire que quelque chose dont j'ai entendu parler, que dans des légendes existe. S'il y a une bonne bière dans cette région, je ne dirais pas non pour écouter. Alors, je ne pense pas qu'il y aura des poissons sous l'eau. Hein? Voilà, qu'est-ce que c'est encore ce mec? Un mec tirage. VIP est apparu. Mike Bond, maître. Je dirais que c'est le seul endroit pour manger. C'est ce que je n'aime pas dans les zones isolées. Ce lieu ne peut certainement pas me proposer des sushis qui m'inspireront. Je vais devoir me contenter de remplir mon ventre avec ce que je peux trouver. Quel client impoli. Que voulez-vous? Permettez-moi de me présenter. Je suis le réalisateur de cinéma Michael Bond. Attendez, vous n'avez pas réalisé Robot Samouraï? Oh ouais, j'ai une jolie pochette. Ah, on dirait que vous voyez quelque chose malgré vos lunettes de soleil. Oui, je suis le grand réalisateur de films d'action Michael Bond. Je n'arrive pas à le croire qu'il parle ainsi de lui-même. C'est... oui, il est un peu... voilà. Je trouve mon nouveau film La Pierre dans les environs et je n'arrive pas... Ah, je tourne en fait. Je n'arrive pas à obtenir une scène finale correcte. Je pensais pouvoir trouver l'inspiration en me changeant les idées avec un bon plat. Il est peu probable que je trouve quelque chose ici. Je m'en vais. Hop. Attendez. Robot Samouraï était un film extraordinaire. Je l'ai regardé plusieurs fois et j'ai été ému à chaque fois. Tout ce dont je me souviens, ce sont les explosions. Si vous pouvez faire un autre excellent film grâce à ma cuisine, je serai prêt à cuisiner pour vous. Oh, donc vous êtes un fan. Je vous en suis reconnaissant, mais pouvez-vous le faire? J'ai des exigences élevées en matière de sushi. Le riz utilisé par ici est épouvantable. C'est pourquoi nous utilisons le meilleur riz que nous pouvons trouver dans cette région. Donnez-moi 3 jours, je vous prépare des plats qui vous feront déborder d'inspiration. Bon d'accord, je serai de retour dans 3 jours. Ne me décevez pas, chef. Ok. On ne pourra pas le décevoir. Bancho, t'as un plan? La cuisine est un
C'est une forme d'art. Je connais bien la douleur d'un autre. Je préparerai des plats qui m'intéressent. Cependant, comme il l'a dit, le riz que j'utilise est le riz Annam de cette région. Ça me dérange que l'ingrédient ait des limites lorsqu'il s'agit de créer le meilleur riz possible. Hé, j'ai écouté votre conversation. Si c'est du riz, je pense que je pourrais trouver une solution. Quelle idée, Otto ? Hé hé, donne-moi juste un jour et je te contacterai demain matin. Ok, si nous pouvons obtenir du riz de vous. Nous pouvons préparer des sushis avec trois espèces de poissons différentes. Un baliste à tête jaune, une vieille harlequin et une loche somalienne. Cela fait beaucoup d'ingrédients. Il apprécie les détails. Ne sois pas en retard, s'il te plaît. Ouais. On verra ça demain. Ouais. D'accord. L'inspiration de Michael Bang. Ouvrir Bancho Sushi. Pas encore. Déjà, on va regarder. Est-ce qu'on peut faire... On peut faire des recherches. Sushi spécial de poisson globe étoilé. 220 balles. Peau de poisson hérisson tacheté, assaisonné. 180. Ouais. Oh, 550 béguilles bleues cuites. La queue fluorescente d'une aiguille loup. On en a ça, je crois, de l'aiguille loup. Je sais pas. Sushi spécial de raisin de mer. Ouais. 200 balles. J'ai envie de... Allez, on va prendre celui-là. Attention. Concentration au maximum. Et un now, ladies and gentlemen. Et par contre, je vais en profiter, je vais mettre un coup de cut, je suis désolé, pour la cam. 2 secondes. Cosby. Hop. Comment je fais ? Clic. Voilà. Parce que je vais me faire une petite pause cigarette. Fumer est négatif pour la santé. Bien sûr. Anguille loup, pas aiguille, anguille loup cuite à la vapeur. La recherche est terminée. Ok. Ah, on peut en faire d'autres. Eh ben, on va prendre les plats les plus chers pour l'instant. Je crois que c'est celui-là. Ok. Et c'est tout. Bon, on est pas mal. Personnel. Ce serait bien d'ajouter du personnel, mais... il est cher, donc non. Pour l'instant... Par contre, ce serait bien de former... Oh, lui, il est dégueulasse pour le service. 38. Mais formation, on ne peut pas. Si on peut. Oh, il va pas prendre de ouf. Oh, là, il va lui coûter des sous, c'est pas grave. Il faut le former, il est vraiment à chier. Il est très bon en cuisine, c'est dommage, faudrait intervertir en fait. Je sais pas si on peut intervertir, échanger. Ah. Ben non, je peux pas échanger comme ça. Il m'en faut un autre. On peut pas retirer. Ah voilà. Lui, on va faire pareil. On va le retirer. Et là, on va faire ajouter. Et là, on va mettre celui-ci plutôt en cuisine. Et dans la zone de restauration, on va mettre l'autre. Voilà, c'est nettement mieux. Lui, en plus, on peut encore le former. 150, allez, bon. Carolina, très bien. Parfait. Elle aussi, non, formation. Pourquoi il y a marqué idée? Pourquoi ils ont des petites idées à côté de la tête? Ils disent des trucs, je sais pas. Bon. On va partir là-dessus. Le menu. Donc, on a dit qu'on était à la fête de la machine. Alors, il y a plein de choses là. Sushi, Rhino, machin truc là. On va l'améliorer. Allez, c'est parti pour une amélioration. Notre chef. Ouais, gros. Balance le son. Je coupe les sushis. Ouais, ça y est, amélioration totale.
Cimer Albert. Bon, de toute façon, on en a plein. Donc, non, encore amélioré. Oui. Allez, améliore encore. Voilà. Là, on est pas mal. On a 12, on peut encore améliorer. Combien ça demande? Merde. Améliorer. Améliorer. Oui. C'est bon. On a plus de 2. Ça, c'est quoi? Le poisson grande gueule. On améliore. Bing. Ok. Ça, on en a que 5. Alors. Alors, par contre, le problème, c'est ça. C'est... Il va falloir trouver les plats de méduses. Murène, viande de requin, oursin, méduse. Alors déjà, ok. Ah, mais c'est celle avec les... D'accord, il y a les petits symboles roses. Bon, alors déjà, celle-là, c'est 58 seulement. Alors, attends. On va déjà l'améliorer. On va partir sur de l'amélioration. Ouais, grave. On améliore. Quick. Il en reste 6. Les 6, on va les vendre. 6, on va les vendre. Ok. On est parti pour en vendre 6. Ensuite. On a ça, on en a que 2. 55. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais on va les vendre quand même. Il m'en faut d'autres, hein, des méduses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le petit nœud rose. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec là? On en a 8. Améliorer, ça en prend combien? Ça en prend 3. On en aurait 5 à 19. On améliore parce que ça vaut que de chi. Elles sont là, 5. Et on vend les 5. Va falloir servir du plat, les petits bonhommes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En plat de méduse. Plat de méduse, plat de méduse. Là, il y en a 8. On les améliore parce qu'elles valent que dalle. Ok. On en a 5. On va vendre les 5. Ouais, on est chaud. Allez, je veux du monde. On en a 5 comme ça. Et attention, on ne peut plus qu'en ajouter un seul. Est-ce qu'on a encore de la méduse ou pas? Oh, il y avait ça. Mais dommage. On n'a pas de méduse à poids blanc. Dommage, ça valait 292. On aurait pu tellement faire une fortune. Là, j'ai été stupide. J'ai pas pensé. Alors, on va prendre qu'est-ce qu'on a dans les plats les plus chers. On a celui-là, on peut en faire un à 550. Ou alors 2 à 200. Là, on en a qu'un. 13, ah là ce serait bien, là ce serait bien d'en lâcher 5. 5 ça ferait 500. Ouais, vas-y, on va essayer ça. Je vais essayer d'en vendre au moins 5. Allez, même 6, soyons fous. Allez, go. Go ouvrir. Allez, go ouvrir. C'est parti. Allez les gars, c'est la fête du slip. Allez, bossez dur, hein, les mecs. Hein. Ouais, c'est mon ami Ray qui sert. On va prendre un plat aussi. Peu importe. Allez-y, allez-y. Pour lui, faut pas le louper. Oh, il y en a 4 en dessous. Ouais, ouais, j'arrive. Hop, 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 hop. On va servir l'autre là-bas. C'est bon, pour l'instant, il n'y a pas de merde. Ah, elle, ce serait bien. On va servir une petite news. Ouais, good, c'est pas ouf, mais... Allez-y, allez-y, maniez-vous les fesses, là. Sur un toit. Oh là 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 là, on a plus assez. Oh, il y en a qui auront pas leur truc.
Oh là 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 là, c'est la merde. Il y en a qui vont pas être contents. Ouais, 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 allez. Oh là là, elle est pas contente. On manquait d'ingrédients. On manquait d'ingrédients, j'aurais dû faire plus de choses. Ah là là, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va, on a quand même fait un peu de mal. Waouh, on a perdu 1,2. Ouais, ça craint. On a 3-7, c'est nul. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Ouais, c'est pas ouf. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bah voilà, bon. On a passé une petite journée avec Dave. Alors, on a passé le samedi 9. Non, c'était le samedi 15. Autant, qu'est-ce qu'il dit ? Oui. Ah oui, pour le riz. Eh bien, je suppose que oui. Ça a l'air fatigué. Okay. Eh bien, j'ai travaillé toute la nuit sur quelque chose. Sur quoi travailles-tu ? Je vais te montrer. Monte sur le bateau et viens à côté de la ferme. Ok. Allez, on va jeter un œil à la ferme et tout. Oh, il y a une nouvelle ferme. Excellent. Hé hé, j'ai goûté quelques plats du restaurant. Les sushis contiennent du riz Annam, n'est-ce pas ? Ouais. C'est le seul riz que nous pouvons trouver ici. Bancho a de superbes compétences. Mais vous ne répondrez pas aux exigences de ce réalisateur de films pointilleux avec ce genre de grain. Puisque tu restes ici un peu plus longtemps, j'ai pensé que tu pourrais m'aider à cultiver du riz blanc. Waouh, c'est vraiment super sympa, merci. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment la main verte. Que dois-je faire en premier ? J'ai vu que tu étais très occupé toute la journée. Je t'aiderai un peu à cultiver le riz. Dans la réalité, il faut environ un an pour faire pousser du riz. Mais il ne s'agit pas d'un jeu de plantation de riz, n'est-ce pas ? Les résultats sont visibles en 2-3 jours. Oh, mais le problème, c'est que je me suis blessé aux jambes. Il faut arracher les mauvaises herbes, cela empêchera les insectes de nuire à la culture. Bien sûr, si nous pouvons avoir du bon riz, arracher les mauvaises herbes n'est pas un problème. Dire qu'il y a une rizière juste derrière le restaurant, c'est vraiment sympa. Merci. Ah, heureux de voir tout ça te plaît. Oh, quant à l'état de la rizière, la technologie a beaucoup évolué et tu peux utiliser une application mobile pour vérifier. Ah ouais. Bah ouais, forcément. L'application s'appelle FarmNow. Je te tiendrai au courant de la situation tous les matins à travers l'application. Ok. Cela me rappelle, je me souviens quand j'étais un agriculteur novice. Je suis allé dans un village agricole en Thaïlande pour une journée très chaude. Je me reposais à l'ombre et un chef de village aux cheveux blancs est venu vers moi et m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Passez !» Allons, allons, calme-toi. Je vois des mauvaises herbes là-bas. Va les arracher. Ok. Alors, on joue au jeu de la ferme. Ok, il y a la farms, ok. Vous pouvez maintenant visiter la ferme. La ferme est l'endroit où vous pouvez cultiver et récolter diverses cultures nécessaires pour la cuisine. Ok. Tac, on arrache une mauvaise herbe. En se mettant dessus, c'est... Ouais, à côté. Ok, bien joué. Bien, arrache les mauvaises herbes comme ça et je m'occupe de l'arrosage. Je suis sûr que même ce réalisateur exigeant sera satisfait de la qualité de ceci. Ok. Bon, bah, s'il n'y a que ça à faire de venir de temps en temps, pas de problème. Donc encore un mini-jeu de plus. J'adore. Il est plein de bonnes surprises, ce jeu. Et voilà, je pense que... Ah, on va regarder, là, qu'est-ce qui se passe-t-elle. Allez, attends juste un jour, Dave. Je suis sûr que de nouveaux poissons t'attendront demain. Ah. Ok. Et là. Ok. Et là. Je peux rien faire. Donc. On va lui causer quand même. Ça fait un jour, là. Tu peux collecter des œufs de poissons en attrapant des poissons. S'il y a un poisson que tu souhaites garder, il est utile d'en attraper plusieurs. Ok, chef. Mais en fait, je comprends absolument ce qu'il faut faire, quoi. Il dit d'attendre. Donc, un peu go waiting. Bon, bah voilà, ça va faire une petite heure. On va s'arrêter là-dessus. On va retourner sur le bateau.
On va jeter un œil vite fait quand même à Fernard et tous ces nouveaux trucs. Ah, mais Otto encore. Dave, les poissons de la ferme, ils se sont reproduits, mais j'en viens. Ah, mais... Dépêche-toi de te rendre à la ferme. Mais j'en viens, connard. Je l'ai pas dit. J'ai pas dit connard. Ah, mais... Non, non, j'ai pas dit ça. Alors, Ah, blablabla. Va voir par toi-même. Donc on doit aller où il y a les petits cœurs. Mais c'est exactement ce que j'ai fait auparavant. Waouh, affiche les détails. Type de poisson élevé. Ouais. Waouh, les mystères de la nature ne cessent de m'étonner. Deux nouveaux poissons. D'accord. Si de nouveaux poissons apparaissent, tu marqueras la zone avec un cœur. En parlant d'œufs, je me suis souvenu de mon fils, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Ah, t'as un fils? C'est un jour de vent de pluie, je me suis aventuré trop loin avec mon bateau et la tempête l'a fait basculer. Quoi? Je n'ai pas pu retourner voir mon fils depuis ce jour. Eh bien, je ne savais pas ça. Très bien, je passerai aussi souvent que possible. Grâce à toi, Otto, je me sentirai beaucoup moins obligé de pêcher des poissons. Ok, dès 1, rang 2, je sais pas quoi. Si vous possédez au moins deux poissons de la même espèce, il y a une chance qu'un bébé poisson naisse. Ok, bon. On va suivre ça de près. Et là, ouais, là c'est des... D'accord, afficher les détails. D'accord. Ouais, c'est beau, j'aime bien. Tout vendre, non. Utiliser tous les ingrédients. C'est quoi utiliser les ingrédients? Laisser deux. Deux étoiles en priorité, laisser trois étoiles, quoi. Tout utiliser les conditions d'utilisation. Ok. Alors, pouvez-vous envoyer tous les poissons à la cuisine? Vous ne pouvez plus faire d'élevage si vous utilisez tous les poissons comme ingrédients. Bah non. Ok, j'ai pas tout compris, mais ouais. En gros, on en a qu'un de chaque, quoi. Donc pour l'instant, on va laisser. Et après, les autres, on peut pas. Non, pour l'instant. Et là, c'est pareil, on en a combien alors? Afficher les détails. Ah, on peut en envoyer un comme ça. Ok. Allez, je l'envoie à la cuisine comme ça. Chou. On a trois petits poissons. Ah ouais, ok, faut toujours qu'il y en ait deux. Donc là, ils peuvent se reproduire. Par contre, la raie, on en a qu'une. Ouais, donc on les deux. C'est joli, hein. J'aime bien. J'adore les petits aquariums. Bon, ben voilà. On va réussir à retourner sur le bateau. Ce jeu est plein de. Est imprévisible. J'ai dit que je voulais acheter un avis qui a ça. Farm now. Ok, croissance 5, récoltable 0. Dégâts des parasites 0, nutrition 100. Ok, faut que ce soit à 100 tout le temps, je pense. On est bon pour ça. Email, j'ai reçu un email de qui? Meilleur spot de plongée. Bonjour les plongeurs, ici Diversity. Aujourd'hui, nous. Présentons le paradis des requins-marteaux situé à Bajo Alicion, au Costa Rica. Alors c'est Bajo Alicione, Alcione, Alcione, Bajo Alicione au Costa Rica. Les requins-marteaux se trouvent sur Coco Island et ne sont accessibles qu'en liveboard. Vous pouvez y rencontrer jusqu'à 100 requins selon la saison. Waouh! Génial! Mais je sais pas comment on y va, d'accord. Nouveau auto, mais on s'en fiche pour l'instant. Ça, c'était quoi? Ah oui, c'est voir un peu toutes les espèces. Ah oui, donc c'est vrai qu'on a le crabe araignée, nouveau. Le petit chione, clione, pas chione. Un triodon. Un Pteraclis du Pacifique. Un caréproctus. Le régalec. Ok, là je rappelle qu'on a déjà eu l'anguille loup géante. En ce qui concerne les profondeurs du trou bleu, en surface. Comment on fait pour la surface déjà? C'est comme ça, donc comme ça.
Surface nouveau, la 40 blanche. Et on a déjà eu le calamar géant. Ok. Et dans les nocturnes, on a eu des cardinal queue fine, la murène et le requin à pointe noire. En sachant qu'il y a encore plein d'autres choses à récup. Ok. Bon. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Musique. Ah, on peut aller faire un tour vite fait là-dessus. On va lui mettre des petits likes. Ma page. Ah ouais, il en poste des trucs, Marcellus. Niveau supérieur, on atteint. Waouh, 41 abonnés. Ouais, machin sur 200. On est loin pour l'instant de la platine. Actualité. C'était incroyable. J'aurais dû prendre une photo, c'était trop beau pour attendre. Ok. Waouh, bande sous souci, 540. Ouais. Allez. On lui lâche des likes. On est sympa. Ça fait un moment que j'étais pas allé. Ça c'est quoi pour la fête de la méduse? Waouh, qui a préparé ses feux d'artifice en forme de méduse? Ils sont trop mignons. Nan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